Certains d'entre vous l'ont déjà noté, Rémi, notre bon Rémi, nous a quittés. Ce gamin prometteur à qui on a tout appris a choisi d'abandonner le journalisme pour se lancer dans une carrière d'influenceur beauté. La maudite réseaux sociaux, jusqu'où ira votre perversité envers notre jeunesse? Enfin bref, on a décidé de passer sa dernière œuvre, certes un peu tardivement, mais bon, on a dû se réorganiser. Mais là, pas de problème, on est au top et vous aurez beaucoup de contenu sur la chaîne Moto Journal. Allez, on t'en veut pas, gamin. Bonne route. Et surtout, prends soin de toi, sale traître. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Moto Journal où on va faire un duel entre deux catégories de sportives. On a veillé à choisir des pilotes de profil, de niveau et surtout de gabarits différents. Pour savoir que choisir entre un 600 ou un 1000. Je vais tomber. Alors, 1000 ou 600, de plus en plus de motards se mettent à la piste et se posent cette question existentielle. Donc on va tenter d'y répondre une bonne fois pour toutes. Bon, le seul truc, c'est qu'il existe autant de réponses qu'il y a de motards différents, et donc de critères auxquels répondre. Alors pour essayer d'apporter une réponse un tant soit peu significative et représentative, on a pris un débutant, un confirmé et un mec cintré. Pour les motos, on a choisi les modèles les plus répandus sur les paddocks, de Superbike comme de Track Days, à savoir une Yamaha R1 et une R6. Notre R1 est une version standard et sur la balance, seulement 11 kg la sépare d'une R6 d'origine. Sur le banc de puissance en revanche, la 1000 revendique pas moins de 80 chevaux de plus que la 600, laquelle n'est d'ailleurs plus homologuée sur route. Notez toutefois que Yamaha commercialise toujours la R6 en deux versions, dédiées uniquement à la piste. La version Race, sur laquelle les bleus ont simplement retiré les rétros, et notre version suréquipée GYTR, qui perd au passage pas moins de 13 kg et gagne une petite dizaine de chevaux. Avec son ECU reprogrammé, son faisceau kit, son échappement et sa lisse pléthorique de pièces racing, elle biaise un peu la comparaison face à notre R1 de série. Mais au moins, elle va nous permettre de répondre à une question supplémentaire. Est-ce qu'une 600 tapée à la hauteur du prix d'un 1000 d'origine peut-elle rouler aussi vite, voire plus vite que cette dernière? Le choix du circuit étant évidemment prépondérant dans cette question. Et à prendre sérieusement en compte avant votre choix de cylindrée. Par son étroitesse, le circuit d'Alès par exemple a annihilé un peu l'avantage de puissance de la 1000. Mais la performance pure n'est pas la seule variable à considérer. Les sensations, la facilité et même le budget entrent également en compte. Et après deux jours de tirage de bourre cordiaux entre amis et un ou deux concours de dessin, on s'est posé autour d'une table pour faire le point à tête reposée. On a tous roulé R1, R6. La première question, je vais te la poser à toi. Pour toi, laquelle est la plus amusante? Sur laquelle as-tu pris le plus de plaisir? Sur la mobilette. Sur la R6, forcément, parce que ben, c'est une moto qui est plus adaptée au circuit d'Alès. Elle a un plus petit gabarit et le moteur, il est rageur. Donc, comme je suis quand même un peu cintré, ben, j'aime bien moi, ce style de moto où ça demande... T'aimes bien être pendu, en fait. Ouais, ouais. Okay. Ben, moi, pour ma part, tu vois, j'ai préféré la 1000. Parce qu'en termes de sensation, tu t'amuses tout de suite. T'as pas besoin de rouler vite pour t'amuser, je trouve, parce que t'en prends plein la quiche. Je trouve qu'il y a plus d'agrément aussi, parce que les 600, elles ont vieilli. Elles ont pas été trop modernisées. Et tout ce qui est downshift, électronique super calibrée sur les 1000, qui sont très modernes. Ça, tout ce qui est agrément, j'apprécie vachement. Et toi? Moi, je suis partagé, parce que la R6, elle est géniale. Mais avec mon gabarit, du coup, bah, je suis un peu limité. Après, la R1, vu que je suis débutant, peut-être un peu trop puissante. Mais beaucoup plus à l'aise et c'est un pur plaisir après. Donc sur ce circuit-là, c'est peut-être une trop grosse moto, mais j'ai joué sur la 2, la 3, la 2, la 3. Et c'était agréable. Bon, bah maintenant, on va poser une autre question. On est quand même là pour rouler vite. D'après toi, avec laquelle t'as roulé le plus vite? Vu dans l'état où vous m'avez laissé le pneu arrière quand j'ai pris la R1, je dirais avec la 600. Mais si t'avais eu un 9? Ouais, peut-être avec la 1000 quand même, 9, parce que j'aime ce genre de moteur et sortir m'extraire d'un virage avec toute la puissance, ça me plaît bien. Et pourtant, on a une version GYTR. Et moi, je pense que j'ai roulé aussi plus vite avec la 1000, même si j'ai plus roulé avec la 600. Et toi, d'après toi? Moi, j'ai roulé plus vite avec la R6. Ok, parce que plus facile à gérer. La R6, ouais, plus rapide. Ok. Et ensuite, ultime question, en termes de facilité, d'après toi, laquelle est la plus facile? Bah, la R1.
Et ouais, mais voilà. Ouais, non, le balèze, il préfère la petite et le petit, ouais, il préfère la grosse. Moi, j'ai trouvé aussi la R1 plus facile. Du coup, moi, je suis un peu entre les deux. Ouais, bah, t'es au milieu, t'es au milieu. L'avantage de la R1, en fait, si tu veux, c'est que tu vas c'est con, mais tu vas vite tout de suite. C'est ça. Quand t'as un peu de... Alors que la R6, faut la tenir dans les tours, t'as moins le droit au raté de boîte. D'ailleurs, ça me permettrait de dire un truc pour les débutants. Je pense qu'il faut arrêter ce fantasme et l'obsession des sportives et de la puissance pour les sur-circuits. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais pas dire que ça sert à rien. Bah après, et ça dépend, encore une fois, ça c'est... Ça dépend du niveau et de l'adaptation. Et du circuit. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux juste t'amuser, bon bah vas-y, banzai, hein, prends une sportive qui arrache. Si t'es dans une optique de performance et que tu veux t'améliorer, il faut descendre en puissance, descendre en cylindrée pour apprendre la vitesse de passage, qui est fondamentale. Et parce que c'est plus difficile d'aller dans un sens que dans un autre, tu vois. Et bon, bah, 600 ou 1000 alors? Moi, pour débuter, 600 c'est parfait. Après, je pense que le 1000 du coup aurait été la meilleure moto pour moi, vu mon gabarit. 1600, les deux. Les deux sont bien. Hein. Bah, les deux sont bien, ouais. 1600. Et les deux sont au même prix. Ouais, et les deux sont au même prix, ouais. En fait, au jour d'aujourd'hui, vu le prix des R6 et le prix des 600 en général et leur degré de technologie comparé aux 1000 contemporains, tu vois, où c'est des brelles, elles sont ultra, ultra, ultra modernes, j'aurais tendance quand même à dire 1000 à mon niveau. Ouais, ouais. Après, il y a un autre truc, je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'en gabarit et en agilité, la R1, elle a rien envie à la R6. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Elle se place où tu veux, quand tu veux. Ouais. Tu vois, je m'attendais à ce que l'inertie mécanique du mine soit vachement plus... Ah non, c'est gommé, non. Donc ça, c'est pas anodin. Ouais. Donc allez, pour moi, 1000. Je m'arrête. Non, 1000. 1000 aussi. Oui, avec 2-3 sessions de plus, 1000 aussi. Ouais. Et pour un vrai débutant, un CB500. En fait, la R6, elle sert à rien. Pour achever notre comparaison, parlons pesos. Les 1000 sont généralement plus chers à l'achat, en neuf comme en occasion. Mais l'écart est étonnamment pas si énorme que ça sur le bon coin. Cela s'explique notamment par le fait que l'arrêt de la production et de l'homologation de la plupart des supersports a tendance à gonfler démesurément leur cote. Côté entretien, il sera sensiblement le même sur les deux cylindrées. On pourrait croire qu'un 600 est plus fragile, car davantage sollicité pour compenser sa cylindrée. Mais le rendement des 1000 modernes est tel que la différence de fiabilité est difficile à juger aujourd'hui. En revanche, pour ce qui est du budget pneus, essence et consommable, en fonction de votre niveau, les 200 chevaux d'un 1000 pourront facilement doubler la facture. Voilà, vous savez tout.